cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur le Delicat 4 qui est référencé à l'UGAP sur un marché avec l'équipementier Caniva. Le Delicat 4 se décline sur un PTC de 3,5 tonnes à 5,5 tonnes. Pour les véhicules incendie, on vend exclusivement le 5,5 tonnes pour chercher de la charge utile. Là, aujourd'hui, nous avons un porteur d'eau dans une version CCRL, camion citerne rural léger. Les capacités d'eau, on est environ autour de 1000 litres. L'avantage de ce véhicule, c'est qu'il est très compact et qu'il a de très bonnes capacités de franchissement. Avec sa garde au sol très élevée, le véhicule peut franchir des passages à gué jusqu'à 700 mm de hauteur avec l'échappement vertical. Nous avons un moteur 3 litres Iveco 170 chevaux, double étage. L'avantage de ce moteur, c'est d'avoir le couple maxi à un régime très faible. Nous avons une boîte de vitesse mécanique 6 vitesses. Cette chaîne cinématique nous permet d'avoir au total 24 rapports de démultiplication, un avantage fort pour pouvoir passer toutes les contraintes de franchissement possibles. Nous mettons aussi en avant cette année le Daily dans la version véhicule première intervention VPI, dans la version double cabine sur un PTC de 6,3 tonnes à 7 tonnes. Donc c'est un véhicule destiné pour des centres de secours secondaires, véhicule à mission multiple, où nous avons donc une citerne d'eau d'une capacité de 1000 litres à 1500 litres, avec une pompe d'une performance de 1000 litres minute à 15 bars. Sur le châssis Iveco, la contrainte de cette pompe nous oblige à installer une boîte de coupure à la SDVI, filiale Iveco France. Le rôle de la SDVI est de mettre en conformité les véhicules incendie par rapport aux normes spécifiques et de prédisposer les véhicules pour pouvoir y installer des carrosseries. Autre véhicule intéressant est l'Eurocargo en version fourgon pontonne ou fourgon pontonne secours routier avec une cabine double conçue par la carrosserie Saint-Aubert. Donc, c'est une cabine conforme à la norme FPT-FPTSR avec la possibilité d'installer de 6 à 8 sapeurs-pompiers. Les avantages de cette cabine sont avant tout un emmarchement extérieur qui permet aux pompiers de pouvoir monter et descendre facilement de la cabine. Nous pouvons mettre sur ce véhicule des ceintures 3 points ou 2 points de longueur importante. L'éclairage de la cabine est à LED avec la possibilité d'avoir un mode nuit avec un éclairage bleu. Sur un fourgon pontonne, nous avons en général une capacité d'eau de 3000 litres. La motorisation du fourgon pontonne est 280 chevaux en version Euro 5 Heavy Duty EEV.